Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Auroroguiman et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une map aventure The Tourist. The Tourist. Et tout de suite là, on se retrouve dans un bus, une map tranquille pour un peu se détendre. Ça change un peu de toutes ces tout d'autres trucs. Hop, on va se remettre comme ça. Mettre le jeu en peaceful, peaceful. Ah, c'est déjà peaceful, nickel, Chrome. Ensuite, vision normale. Ah oui, normal. Ensuite, je voulais vous parler. J'avais mis normal. Je voulais vous parler de quelque chose. Je me suis donné un petit projet. Comme là, je suis en vacances. Je vais faire des vidéos tous les jours. Je dis ça, mais après je sais pas si je vais réussir à le tenir parce que j'aurai quand même des entraînements de rugby, j'aurai des choses à faire. Comme vous avez vu mon skin, hein, c'est un joueur de rugby. Voilà. Peu importe. Voilà. Mais j'espère que je vais réussir à tenir mon défi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de The Tourist. Et moi je suis très content. Je joue avec le pack Jollycraft, enfin le pack recommandé pour jouer à The Tourist. Voilà. Bon, on va tout de suite attaquer hein, cette map. Alors. Je me suis encore endormi dans le bus. Le groupe a dû partir en visite touristique. Je vois pas s'il y a d'autres panneaux. Et ils m'ont laissé seul ici. Ces vacances à Paris commencent mal. Bah, tu le dis? Et en plus, il fait un temps pourri. Oh ben, pour un temps pourri, c'est le cas de le dire. Interdiction de parler au chauffeur. Bonjour, je parle à un fantôme. Ah oui. J'espère que ça va pas activer la TNT. Ça va. À mon avis, comme dans toutes les maps aventures, il faudrait pas casser de blocs. Hein. Je pense. Hein. Ne pas casser de blocs. Enfin. Je vais bien réussir à rejoindre à les rejoindre. Ex. C'est vraiment étrange. C'est vrai. C'est vraiment étrange. Cette vapeur qui sort du sol. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Arrêt. Et puis, ce silence. On dirait que la ville a été désertée. La fin est proche. Repensez-vous? Ça fait un peu flipper ces pancartes sur les murs. Ah purée, tu l'as dit, Bouffi. Priez pour votre salut. Et cet orage. Il n'y a pas d'orage. Quel orage? On n'a pas entendu encore. Ça va être un bug. Dieu vous a abandonné. Oh, pas mal les feux rouges. Enfin, les feux. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Bah, tu l'as dit, entre la neige qui tombe et la pluie qui est juste à côté et de la vapeur qui sort, c'est plus qu'étrange. Si Dieu a décidé de faire le ménage. Boulevard de Rougeoir. On peut remonter dans un bus là? Ce serait bien, non? Non, mais en tout cas, il y a toujours la TNT. Hein, pour dire. Ah, on va essayer un truc. Bon, c'est bon, on va y aller. On va remettre ça en place parce que sinon, c'est plus un bus. C'est une. Je sais pas. Je pense qu'il a oublié quelqu'un. Ah bon? Ah bon? Il fallait que ça tombe sur moi. Ah bah oui. Que je suis bête. T'es tout seul dans le bus? Wouhou. Enfin. Pile pendant mes vacances en plus. Eh ouais. J'aimerais bien comprendre ce qu'il se passe ici.
Finalement, toutes ces rumeurs sur l'apocalypse. Bah alors, il y aurait une apocalypse. Bah déjà, entre la neige que je vous ai dit tout à l'heure et la pluie qu'il y a là-bas, c'est déjà bizarre. Cela n'était peut-être pas qu'un délire de fanatique. Ah bon? Moi, je croyais. Je crois pas Maya. J'aurais dû prendre un cas, oui. Quand tu pars en voyage, faut y penser, Bouffi. On dirait que l'église du Sacré-Cœur là-bas. C'est une église, ça? On va voir. Et en plus, je commence à avoir faim. Il y a des escaliers là-bas. Bon, enfin, vers après. Espérons qu'il reste quand même quelque chose à manger. Sauvé! Wouhou! On a une épicerie! Aux délices de Montmartre. Ok, tout de suite. Oh, le tableau. La maison ne fait pas de crédit. Surtout juste avant la fin du monde. Quoi? Ce serait la fin du monde. Oh yes, un cas, oui. Je me demande même à quoi elle va nous servir. Hein, parce que. Un cas, oui, alors qu'on n'en a pas besoin. Je pense pas qu'il faudra casser ça. Ok, j'ai mangé un gâteau. Enfin, pas encore, mais. De la viande. Du poisson. Du rôti. Du pain. Du steak, de la pastèque. Steak, pastèque, ça ressemble un peu. Journal. Non, 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 toi tu restes là. Bon, on va regarder le journal le temps qui se génère. Le Parisien, 1,50 €. Je me demande s'il coûte vraiment 1,50 € en vrai. Bon, enfin bref, on s'en fout. Apocalypse Now. Les autorités religieuses sont formelles. La fin du monde est pour ce soir, 19h45. Enfin, stop, j'arrête. La fin du monde. C'est plus la peine d'essayer de retrouver les autres maintenant. Je vais voir juste là-bas, là, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Ok, bon, en tout cas, il y a toujours cette vapeur qui sort, mais. En gros, ça servait à rien ce truc. Bon, enfin, bref. Ça fait partie du décor, on va dire. Attendez, je veux juste regarder où on en était. De retrouver les autres maintenant. Si je veux éclaircir cette situation, je pense qu'une église est le meilleur endroit. Donc, on aurait une église. Ah, bah oui. On aurait une église ici. Pour trouver des infos. Surtout ce qui concerne l'apocalypse. J'ai pas oublié un panneau? Non. Les escaliers. Eh ben oui. Bouffy, il faut les monter les escaliers. Oh purée, la map qui se génère là. The Tourist est une map aventure par Stratatos Crafter. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Bon, enfin bref. En tout cas, ça a l'air très très joli. Hein. Et je lui dis un gros bravo pour lui. C'est vraiment bien. Testé par Gélouel. C'est vraiment joli. Re de guerre du Nord. Bon, on va lire. Je pense que ça doit être les règles. Hein. On va les lire. Amis touristes, veuillez respecter les lieux et ne casser aucun bloc. Il y a 20 km de redstone un peu partout. 20 km, c'est un peu abusé, mais bon. Vous risqueriez de bloquer les mécanismes. Si vous suivez les indications des panneaux, tout devrait bien se passer. Les barrières sont là pour votre sécurité. N'essayez pas de les franchir. Vous pourriez vous blesser. Non, je veux pas. Enseignement. Ah, bon, ça. L'église est définitivement fermée pour cause de l'apocalypse. Entrée principale. Ouf, ouais bah. Tu pouvais l'enlever ce panneau, c'est fermé maintenant. Renseignement.
Pour tout renseignement, adressez-vous à l'organiste. Il doit répéter sa musique dans l'aile gauche de l'église, rue Cardinal Guibert, pardon. Je vais y arriver. Là-bas, je crois. C'est quoi qui est marqué? Ouais, c'est ça. Crypte et métro. Entrée principale. Bon, on s'en fout. Ah, bah tiens. Rue de Cardinal Guibert. Bon, bah voilà, bah, c'est par là. Ah, en fait, c'est comme s'il y avait une route ici. Bon, en tout cas, franchement, c'est vraiment magnifique. Magnifique. On suit le chemin. Trottoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Ah, je vais arriver. Il y a beaucoup de personnes qui roulent sur la route, hein. Église, bon, on vient d'arriver de là, donc on va pas retourner là-bas. Entrée aile gauche. Ok. Entrée des artistes. Oh purée, on peut pas rentrer par là. Bon, enfin bref, c'est pas. Entrée des artistes. On referme la porte derrière soi. Ok. Boum, boum, boum. Oh là, ça bug. J'ai un petit temps de lag. 2 minutes, je vais juste regarder combien de temps nous en sommes. 11 minutes, bon, on peut continuer encore, hein. Écoutez, rencontre du troisième mob. Normalement, c'est pas mamam, mamam. Enfin bref, Martin Solveig, Laurent Garnier. Bon, les deux derniers, je les connais pas. Hein. Martin Solveig, je les connais. Adios les Katos. J'ai été engagé sur la tournée. Apocalypse Tour de Deep Purple. Débrouillez. Vous avec l'orgue signé Joe l'organiste. Jouer rencontre du troisième mob en do majeur. Et allumez toutes les torches pour ouvrir. Les vestiaires. Le vestiaire de l'organisme. Chaque une mauvaise note éteint toutes les torches. Ok, bon, ça c'était les règles. Bon, d'accord, on va écouter. Bon, déjà, on va voir les bruits que ça fait. Bon, ça ce sera pas le premier. Ça sera ni le deuxième. Ça sera ni le troisième. Ah, bah ça s'est déjà allumé. Bon, enfin bref, on va refaire. Bon, je crois que c'est celui-là. Oh, ah bah ça marche pas. On va juste réécouter. Ah, je crois que j'ai compris. Ça y est, je viens de comprendre. Yes! La porte vient de s'ouvrir. Bonjour les moutons. Des moutons dans une église. Je me tais. Si vous êtes ici, c'est que vous avez le groove. Adios et bonne fin du monde. Signé Joe l'organiste. Ah, bah tiens, il nous laisse les clés de son appartement. J'ai oublié de lire ça. Je suis passé directement par là. Fallait peut-être faire comme ça et comme ça. En fait, voilà quoi. Comme j'ai l'habitude des BD, que ça fait, les BD ça fait. Après, tu fais comme ça, hop, tu ouvres, tu prends le levier, hop, et tu le mets. Clé usage, ok. Donc, maintenant il faudra trouver la chambre de l'organisme, non? La terrasse. Waouh, franchement, c'est trop magnifique. Par contre, c'est quoi ça? Oh, le bus. Bonjour les bus. Oh, il y a encore une salle en bas. Franchement, il y a beaucoup de choses à visiter. Qu'est-ce qui est marqué? Oh! Bien joué! Bien joué! Quel salaud! Désolé pour les gros mots, mais j'étais obligé de le dire, celui-là. On va descendre. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, on a déjà la clé. Hop là. Oh là, raté. Oh, oui, oh. Bon, je vais y réussir. Je réussis. Oh là là.
C'est un peu serré, mais bon, c'est pas grave. Bon, je suis les instructions, je vais pas mettre le levier ici, ça se ferait pas. On va faire la map comme elle est dite. Je voudrais bien vous montrer peut-être l'intérieur, ça doit être pas mal, je pense. Ouais, on va aller voir là-bas. Boum, pim, pam, boum, boum. On va faire un tour, hein, on va suivre les panneaux. Hop. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. Parce que je trouve que c'est un bon concept à faire. Presbytère. Bah tiens, ça m'intéresse ça. Vu que j'arrête pas de le voir. Aïe! Presbytère. C'est ça un presbytère? On dirait des. Je sais pas. C'est quoi ces trucs? Les buissons. Ouais. Un panneau. Église. Oh, on s'en fout. Chorale, dôme, toit. Bah non, c'est pas ici les chambres. Les jardins. Non. Je voudrais voir s'il y aurait. Je sais pas. Des chambres. Bon, le clocher, on ira visiter après. Pour voir. Presbytère. Appartement. Ah. Restaurant et ecclésiastique. Et. Ecclésiatique. Bon, enfin. Vous aurez compris, vous le lirez. Oh non! À chaque fois que j'ai un levier dans la main, je suis obligé de le poser. Je sais pas pourquoi. Réception. Back in 5 minutes of honor. Je comprends pas l'anglais. Enfin, je comprends l'anglais. Ça, il revient dans 5 minutes, mais jamais. En gros, jamais quoi. Ou ja ah, dans 5 minutes ou jamais. Je reviendrai dans 5 minutes ou jamais. Excuse-moi. Petite annonce urgente recherchée. Organise pour animer mariage et baptême. Appartement. Vous savez quoi? Je crois que j'ai vu un panneau. Bon, bienvenue, on s'en fout. Ah, voilà. Restaurant. Restaurant. Manger, manger. Moi, j'aime manger. On va flancher? Wouhou! Servez-vous. Oh là là. Alors là, qu'est-ce qui me font plaisir? La prochaine fois, il fallait pas mettre resto. Ça nous fait cette bouffe. Hop là. Ça me donne faim ce gâteau. Gâteau! Je blague. Cuisine interdite. Ils sont marrants, il y a un bloc derrière. Il n'y a pas de cuisine alors. Dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, on va aller faire un tour dans l'appartement. Je pense que c'est le mieux à faire pour aller dans voir l'organisme. Je crois qu'il est parti en plus. Hein. Il doit plus y être. Surtout, éviter la chambre 237. Tiens, bah ça me donne envie d'y aller quoi. Il doit y avoir quelque chose qui se cache à l'intérieur. 231. 231. Ah ben on n'est pas loin. 26. 35. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le. Oh putain. Ils sont sérieux là? Oh, je m'y attendais pas. Purée. Ils sont fous dans ce jeu. Ils sont fous. Ils franchement bien joué. Bien joué. Désolé, je suis un peu fatigué. Pas pourquoi. Appartement de l'organisme. Bon, on va ouvrir. Hop. Qu'est-ce que ça sert? Les chaînes ont été arrêtées. Ah, ok, d'accord. Je viens de comprendre. Les chaînes ont arrêté de diffuser. Ok. C'est quoi qui s'est ouvert? Ah d'accord. Ok. Chambre et salle de réception. Commence à faire nuit là, non? Bon, vous savez quoi? On va faire un petit somme.
Ah, ça fait du bien de dormir. Ah, je suis moins fatigué. ACDC? Est-ce que dans une église on joue ACDC? Bon, on va voir ça après. Propriété de Gimblob. Je veux juste voir où on en est. 20 minutes de vidéo. Bon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter. On dit qu'il y a pas de mal de livre sur l'apocalypse. Je l'ai jamais trouvé, c'est trop mal rangé là-haut. Ok, on va monter. Le content le grenier. On va voir ce qui se cache. Qu'est-ce qu'on peut enchanter? Ah, dommage, non, je rigole. Oh, bah, y a rien à enchanter ici. Bon, vous savez quoi? On ira une autre fois dans cette salle. Je pense qu'on se retrouvera sur un autre épisode. En attendant, je veux juste écouter cette musique là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça me fait penser à... Bah oui. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a marqué ACDC. Ok, d'accord. Dakodak. Bon, voilà. On va se laisser ici. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vais essayer de faire ce que je vous ai dit, de faire des vidéos un peu tous les jours pendant ces vacances. Et on se retrouve pour le prochain épisode de The Tourist. Allez, à la prochaine. Ouais, un rugbyman qui danse. Wouhou!